Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Donc là il est très tôt, il est bientôt 7h du matin, il est 6h45. On s'est réveillé assez tôt avec mon frère, on a eu un peu de mal à dormir dans notre Airbnb. Il y a un chien en fait qui habite juste au-dessus et on l'entend marcher avec ses petites pattes et ça m'a stressé toute la nuit parce que j'arrivais pas à savoir si c'était dans l'appart ou si c'était au-dessus. Et finalement non, c'est bien au-dessus, du coup on n'a pas super bien dormi, puis en même temps j'ai le stress de partir, d'être sûr que tout va bien se passer, ce genre de choses. Là dans une demi-heure il y a mon cousin et mon copain qui arrivent à l'aéroport, donc on va pouvoir annoncer à mon cousin où on part parce que vous savez qu'il sait toujours pas où il va. Il sait là qu'il va à Paris mais il sait pas après où il part, donc on va aller lui annoncer tout ça. On va aller faire checker les valises et puis après bah, prendre l'avion et direction Miami. Oui, j'ai trop hâte. Là je vais stresser jusqu'à temps qu'on soit assis dans le vol et qu'on soit prêt à partir. Là ça va aller mieux, mais toute la phase avant ça me stresse de fou à chaque fois. Alors je prends régulièrement l'avion, mais non, à chaque fois je suis stressée. Bref, je vous emmène avec moi dans ce petit vlog voyage. Il va y avoir pas mal de vidéos j'espère à Miami. J'espère que j'aurai le temps d'en filmer et faire des vidéos comme j'imagine le faire. Donc on verra tous ça. Dans tous les cas je sais qu'il va y avoir une vidéo qui va arriver très rapidement, je crois, je l'ai déjà prévu demain d'aller voir le reste de fournitures scolaires qu'il peut y avoir encore aux États-Unis. Donc j'espère qu'il en reste un petit peu et je vais vous faire une vidéo là-dessus. Peut-être que vous verrez la vidéo fournitures scolaires aux États-Unis avant cette vidéo là qui était tournée pourtant avant. Bref, ça va dépendre de mon organisation, de ce genre de choses, on verra. Mais là je suis hyper excitée. Donc let's go, on part à l'aéroport. Bon, voilà le tableau dans lequel on va amener mon cousin et on va lui dire vas-y, choisis une destination, devine où on part. Alors qu'en réalité on va ici, Miami. Bah tu m'as envoyé les... Non. Et tu as déjà regardé sur internet alors? Je t'ai rien envoyé. Si. Tu as envoyé quoi? Tu m'as dit, t'as vu qu'on peut partir à 11h. Ah, 11h. Ok. Non, bah non, choisis. Où est-ce que tu veux aller? Non, je fais dans l'ordre. Hein. Non. Je sais pas où c'est. Je sais pas où c'est. Tu commences ton mois d'août, ça va être trois mois. Je sais pas moi. Allez, choisis là. Ouais, mais... Milan? Milan? Non. On va pas à Milan, non. Bon. C'est pas bon monsieur. Ne te file pas à cette heure-là. Te passe pas sur l'horaire, ouais. J'ai fait exprès. C'est autour de ces heures-là, mais c'est pas. Quoi ta pitre? Et il croit qu'on a de l'argent en plus. Ah, quoi ta pitre, t'aimerais bien. Alors, tu te décides ou bien? Tu veux que je te dise ou pas? Attends, laisse-moi deviner. Tu veux deviner ou tu veux que je te dise? Casablanca? Non. Non. Ah mais je suis con. On lui donne peut-être un indice. Mais non mais... La compagnie, allez, attends. Il est à l'heure. Oui, à la compagnie. Attends, faut que j'arrive à lire. Tu trouves ou pas? Miami. Oui. Miami. Bon voilà, ça y est, mon cousin sait où nous partons, donc on part à Miami, il le sait maintenant. On attend Élise encore qui doit arriver, donc ma meilleure amie. Là ils sont partis eux enregistrer leur bagage et puis elle, elle le fera quand elle arrivera, mais au moins comme ça tout le monde sera fait. Embarquement à 10h50 ou 11h quasiment. Mon frère me filme avec ma caméra, mon téléphone, j'en peux plus. Et voilà, on va aller bronzer un peu parce que je me trouve extrêmement palote sur cette caméra, donc on va aller bronzer un petit peu et c'est parti, on va à Miami. Je crois que nous sommes sur un plan très flatteur. Cet angle de mon visage, je ne suis pas sûre que ce soit très bon. Surtout vis-à-vis de mon nez en plus. Si, ça va. Regardez qui j'ai retrouvé. C'est elle est de retour pour jouer des mauvais tours. Voilà, donc Élise, si vous ne la connaissez pas, si vous êtes nouveau sur ma chaîne, vous ne la connaissez pas, c'est... on s'est rencontrés à Athènes. Donc vous vous remontiez dans mes vidéos d'Athènes l'année dernière. Et voilà, c'est ma meilleure amie et on part du coup à Miami tous ensemble avec mon cousin et mon copain. Donc c'est bien, je suis regroupée que des gens que j'aime. J'ai de la chance en vrai. Je suis l'élément central de cette team. Je regroupe les gens. Là on est à la salle d'embarquement juste devant la porte pour prêt à embarquer. On embarque encore dans un moment parce qu'il est 10h13 et je crois qu'on embarque vers 11h10, donc dans une heure encore. Donc on a le temps, donc voilà, on a mangé 2-3 trucs, là tout le monde s'occupe sur son téléphone, il y a la wifi, donc ça va bien. Et voilà, on va aller monter dans l'avion, mais l'avion est quasiment vide, il y a 200 places libres encore dans l'avion.
Donc on va avoir beaucoup de place et ça c'est super cool parce qu'on pourra s'installer où on veut. Mais c'est à cause du cyclone en fait, je pense que les gens ont annulé leur billet d'avion, mais c'est normal. Alors que non, le nôtre part bien, donc c'est nickel. Donc on va patienter gentiment et après on embarque. Bon, ça y est, on vient juste d'atterrir. On vient de récupérer notre voiture de loc. On a un gros Tiguan qui est grave du futur, trop bien, dernier modèle et tout. Donc on va être grave bien avec ça. Et là on va aller faire quelques petites courses. Donc je vais vous emmener avec nous pour notre premier supermarché américain. Et après on fait la route jusqu'à Orlando. Donc c'est parti, on a 3h30 de route pour aller à Orlando. Donc on va pas trop tarder. Et je crois qu'on a même on a peut-être le GPS sur celui-là, non? Non. Bon, on verra, on a le téléphone, c'est pas grave. Mais c'est parti, let's go. Bon voilà, on vient d'arriver dans un Publix, c'est là qu'on va faire nos courses avant de prendre la route pour aller à Orlando. Donc là je vais vous filmer vite fait les produits, mais de toute façon je pense que je vais vous faire vraiment une vidéo sur un supermarché américain. Si ça vous dit, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Donc là je vais vous montrer vite fait ce qu'on prend, ce qu'on a pris, faire un petit peu un haul de ce qu'on a acheté. Les rayons de pack d'eau sont vraiment, il en manque beaucoup parce que bah, avec la prévision de cyclone, on savait pas s'il allait avoir un cyclone ou pas, donc on verra. Donc voilà, donc là on va faire vite fait nos courses et puis après je vous montrerai ce qu'on a pris et après on prend la route direction Orlando. Bon, je suis affreusement désolée, je vous ai totalement abandonnée hier quand on est arrivé. Donc on a pris la route, on a fait les courses et on est arrivé à Orlando. Sauf qu'on est arrivé à Orlando, il était 23h heure locale, ce qui faisait 5h du matin pour nous. Donc autant vous dire qu'on était éclatés. Et j'avais pas du tout envie de reprendre ma caméra, de filmer et tout, de vous montrer les trucs et tout. Donc je vous reprends ce matin, on va conclure le vlog. À mon avis je vais vous faire un petit room tour de la maison qu'on a ici, qui est du futur, pour vous montrer un petit peu. Puis après je vais faire un nouveau vlog vu qu'on va faire du shopping. Donc je vais faire un nouveau vlog pour vous montrer un peu les magasins, pour vous montrer les achats qu'on fait aujourd'hui. Donc voilà, donc là pour ce vlog là, pour le moment vous voyez le salon. Là on est en train de prendre le petit déjeuner sur notre table à manger, donc voilà. Il y a mon bagel qui m'attend, donc je vais aller manger mon petit bagel et après je vous reprendrai. Et il y a mon cousin qui est là, qui est très content pour sa première fois aux États-Unis. Regardez, il a déjà un Starbucks dans les mains, très américain. Voilà. Bien qu'au petit déjeuner. Bien qu'au petit déjeuner, il est déjà avec son Starbucks, donc tout va bien. Il y a Elise qui est là-bas derrière, voilà, en train de se faire son bagel. Voilà, on vit notre meilleure vie aux États-Unis, tout va bien pour nous. Donc je vous reprendrai plus tard pour le home tour, mais là je vais manger. Bon, je vous retrouve un peu après manger. Entre temps il y a eu un petit ravalement de façade. Je vais vous faire vite fait la partie salon et salle à manger et cuisine qu'on a ici. Pour le reste je vous montrerai tout à l'heure quand on reviendra, parce que là on va partir faire des magasins. Donc je vous montrerai le reste quand on reviendra tout à l'heure, l'étage et tout ça. Donc voilà, donc là je vais vous montrer vite fait ce qu'on a dès qu'on rentre dans notre Airbnb. Si jamais vous intéresse, j'essaierai de vous mettre le lien de ce Airbnb en barre d'infos. Alors voilà, quand vous rentrez, vous avez l'escalier juste en face et après, un peu sur votre droite, vous avez l'immense salon, salle à manger. Il y a du papier toilette juste ici, c'est très esthétique. Il y a Elise qui est couchée là, qui nous attend parce qu'elle est prête à partir depuis le temps. Mais moi, il fallait le temps que je me maquille, il fallait le temps que les garçons finissent de se préparer, donc voilà. Donc ça, c'est voilà, l'énorme miroir, Ola, avec Elise devant qui est dans un lit canapé, on sait pas trop. On n'arrive pas trop à se déterminer sur la grandeur de ce canapé, sachant qu'Elise est immense. Vous imaginez. Il est énorme ce canapé. Même en largeur, tu vois, genre on pourrait se mettre côte à côte, large, tranquille. Ça fait vraiment un lit. C'est vraiment impressionnant. Donc on a un énorme canapé comme ça juste ici. Il y en a un petit deuxième juste là, un petit bouddha derrière. Il y a beaucoup de petits bouddhas. L'énorme miroir comme je vous montrais tout de suite. Là il y a un petit pouf. Je sais pas trop quoi il sert, mais il y a un pouf. Ouais, il y en a un là. Là on a notre table à manger où on a pris notre petit déjeuner ce matin, c'était super sympa, on était tous les quatre autour de notre table, c'était trop drôle. Là on a la télé avec les meubles, etc. Par ici, d'un côté on a genre c'est des rangements et tout, donc on s'en fout. Et là on a des toilettes à cet étage, donc c'est pratique aussi, ça évite de remonter là-haut. Et puis on arrive dans la cuisine, qui est vraiment la cuisine genre de rêve, vraiment moi je kiffe. Oui, on n'a pas fait la vaisselle encore. Mais je kiffe de fou cette cuisine, j'aimerais trop avoir la même. C'est vraiment mon style de cuisine avec l'îlot central comme ça, je trouve ça trop trop beau. Donc voilà, une énorme cuisine avec un vrai frigo américain. On a déjà mis un peu de bazar partout, hier on a fait des courses, du coup on a acheté voilà, des chips Lays, des Doritos, ils ont pris du vin. Mais attention, moi je bois pas d'alcool et l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, donc franchement, ne consommez pas d'alcool. Voilà, là on a mangé les petits bagels, donc ça c'était les petits bagels de ce matin. Ils ont acheté du peanut butter, bien sûr. Mon cousin, il voulait des céréales, il s'est pris des Frosties. Là, c'est les bouteilles d'eau qu'on a fini et qu'on va peut-être remplir pour mettre dans le frigo. La bouilloire, etc. Et après, dans le frigo,
Il nous reste donc toutes les petites bouteilles d'eau qu'on a pris, du jus d'orange. Je suis allée ce matin au Starbucks pour prendre un café pour mon cousin. Et je voulais un jus d'orange, mais je pensais que j'allais avoir un vrai jus d'orange pressé. Et en fait, pas du tout, j'ai eu quelque chose comme ça. Mais c'est pas grave, il était bon, mais c'était pas ce que je pensais. Ils voulaient du jus de goyave, donc ils ont pris. Et puis là, vous voyez, on a des bébés carottes, on a du Philadelphia. Alors ça, c'est un qu'on trouve que aux États-Unis. Il est trop bon, c'est Shiven Onion. Et il est trop, trop bon. Moi, j'aime beaucoup. On a de la pastèque au fond, on avait aussi du melon, mais on l'a fini ce matin. Et du lait, voilà, je crois que c'est tout. Ah non, bien sûr, ma drogue à moi, du coup, vu que je ne bois pas d'alcool, moi je suis au coca zéro. Ça, c'est ce qu'il y a dans notre frigo, donc voilà, ça vous montre un peu le tour. Là-bas, on a un espace, je pense que c'est quand vous rentrez du garage, si vous voulez poser vos affaires, ranger. C'est un peu une penderie, enfin c'est un peu bizarre. Et puis dehors, on a un petit jardin, mais on va pas y sortir parce que c'est pas ultra bien entretenu. Donc on va rester par là plutôt, on va sortir par devant. De toute façon, on a des places de parking dans toute la rue. On est garé juste devant notre porte. Et là, il y a un autre grand placard. Genre, vous voyez, c'est un peu un dressing pour vous ranger vos affaires quand vous rentrez. Et on a aussi un placard ici. Et c'est le garde-manger. Ça, c'est tellement américain, canadien, tout ça. D'avoir un énorme garde-manger comme ça. Donc là, il y a plein de choses qu'a laissé le propriétaire pour si ça nous intéresse. Mais je trouve ça trop trop cool. Il y a même du pop-corn, on peut se faire du pop-corn. Je te jure. Donc voilà à quoi ressemble le premier étage de notre Airbnb à Orlando. Le quartier est ultra cool. On a l'impression d'être dans Desperate Wives. Ça fait genre vraiment... En plus, là, vous avez le gros 4x4 et tout. Mais le quartier est vraiment super sympa. Donc non, on est vraiment très très content de ce Airbnb. Et là dehors, il y a notre voiture, donc on va aller la prendre. Vous voyez, elle est là, je vous la montre, comme ça vous l'aurez vu. On a un Tiguan, je vous l'ai dit hier, je crois, un Tiguan de chez Volkswagen, qui est juste là. Voilà notre voiture. Quand je vous dis qu'elle est parquée, ça c'est notre allée. Quand je vous dis qu'elle est parquée devant notre allée, on ne peut pas faire plus devant. Donc on va aller la prendre, on va aller faire du shopping et je vous ferai la suite de ce vlog plus tard. Bon, je suis vraiment une piète youtubeuse en ce moment. J'ai oublié de vous finir le room tour, enfin l'appartement tour, enfin... Non, le house tour carrément de notre Airbnb pour vous montrer un peu ce qu'on avait quand on était sur Orlando. Donc je vous le fais maintenant, comme ça va être fini. Je vais pouvoir conclure ce vlog aussi parce que j'en ai plusieurs en cours. Et il faut absolument que je les termine. Oula, il fait tout noir. Donc là du coup vous avez les escaliers qui sont juste ici, qui nous font monter qui est du coup à l'étage. Ça c'est des placards de rangement pour les serviettes et ça c'est notre chambre. Donc voilà, avec un énorme, mais quand je vous dis énorme, c'est qu'il est vraiment monstrueux, lit king size. Donc ça c'est encore tout mon bazar parce qu'on va partir, donc j'ai tout rangé. Donc voilà, un énorme lit king size. Là-bas il y a la salle de bain, mais on va y aller après. Et là on a plein de fenêtres et franchement le quartier est tellement cool, regardez ça. Ici on a un énorme, mais vraiment énorme dressing. Ouais, c'est la master bedroom et ça se voit. Donc voilà, un gros dressing qu'on n'a pas utilisé parce qu'on n'était pas assez longtemps sur place pour utiliser le dressing. Voilà, là on a un meuble qui serait parfait d'ailleurs pour mettre une télé dessus. Donc là c'est les affaires de mon copain qui n'a pas encore fini de ranger. Et ici on a un immense miroir, vous pouvez me voir, oh là. Voilà, un grand miroir juste là. Et on va aller dans la salle de bain. Donc ça c'était notre salle de bain avec un grand miroir et une énorme douche. Voilà, la douche elle était juste monstrueuse, on pourrait rentrer genre à 5 dedans tellement elle est grande. Donc c'était super, vraiment une super chambre. On a adoré ce Airbnb, il était magnifique. Tout le monde s'est beaucoup plu dedans. Donc voilà, donc ça c'est pour notre chambre. Et si on va de l'autre côté de la maison, donc on traverse, donc ça c'était une pièce où on n'avait pas le droit d'accéder parce que ça doit être un stockage pour eux. Là on a des machines à laver dignes des États-Unis, c'est-à-dire des trucs monstrueux. Ils sont énormes. Je voulais faire une machine et un sèche-linge, mais le souci c'est que j'ai pas eu le temps hier, comme on était à Universal Studios, j'ai pas eu le temps de faire ça. Donc j'espère que dans l'autre Airbnb on aura de quoi faire une machine. Comme ça on pourra faire une machine. Et ça c'était la chambre du coup de mon cousin et de ma pote qui ont dormi ensemble ici. Et voilà, ils avaient une grande chambre aussi avec une grande salle de bain, un grand miroir. Et eux, ils avaient vu de l'autre côté, donc c'est encore des espaces un peu verts comme ça. Donc c'était chouette avec une grande douche et tout, genre trop cool. Vraiment super Airbnb. J'essaierai de vous mettre le lien en barre d'infos si je le retrouve parce que j'arrive pas à retrouver l'annonce, je sais pas pourquoi. Donc si je la retrouve, je vous le mettrai en barre d'infos, mais on a adoré le propriétaire, ultra sympa. On devait faire check-out à 11h et finalement il nous laisse jusqu'à midi. Donc là ce qui fait qu'il est bientôt 11h, mais on va partir gentiment. Et voilà.